bonjour et bienvenue à bord de Culture Pod. Si tu avais l'occasion de te présenter en deux mots, ça donnerait quoi? Ben Michel Baudet, je suis le papa des têtes à claque, voilà. Alors, tu l'as déjà expliqué lors de ta conférence, mais si tu pouvais en deux mots, en une petite phrase, raconter la genèse justement de la naissance de cette web série, ça vient d'où? Ben en fait, brièvement, c'est les têtes à claque, c'est un merveilleux accident. C'est quelque chose qui m'a pris de court, qui s'est créé par lui-même finalement. C'est sûr, j'en ai bûché une shot quand même, mais... Mais oui, ça fait de boule de neige, ce truc-là. C'était une vague monstrueuse, puis j'ai essayé de tenir mon équilibre là-dessus. Et puis là, c'est un petit peu plus smooth, mais on a fait pas mal de chemin. Alors, dans ta présentation, tu parlais de ça en quelques mois. C'est arrivé très rapidement. Ouais. Quels sont les trois points forts que tu as retenus et les trois pires trucs que tu as vécu justement pendant cette fabuleuse aventure? Bon, les points forts, en fait, j'ai été têtu, j'ai conservé le truc sur Internet alors que tout le monde voulait amener ça à la télévision. Ça, c'est un très bon point. Ce qui est intéressant avec les têtes à claques aussi, c'était le fait que j'ai créé un site. J'ai pas fait un channel YouTube ou j'ai pas mis ça sur Dailymotion, même si ça a été posté un peu. Oui, oui. Mais j'ai créé mon site et j'ai fidélisé les gens à venir sur mon site. Comme ça, c'était plus simple de contrôler la publicité. Et vous, les vidéos étaient physiquement stockées sur ton site? Voilà, c'est ça. Okay. Et puis aussi, j'ai créé un rendez-vous hebdomadaire. Les gens venaient à tous les semaines. Les gens savaient qu'il y avait un nouveau clip à tous les semaines. Je pense que c'est très important si on veut avoir un succès sur Internet. De faire ça. Les gens qui vont dire, bon, on fait 10 vidéos, on les montre deux par semaine, pendant 5 semaines, il faut travailler au moins pendant un an ou deux, essayer de bâtir quelque chose de considérable, je crois, pour avoir un succès. Du moins, nous, ça nous a été très profitable de faire ça. Alors, je ne veux pas résumer tes propos, mais c'était quand même dur de payer pour travailler, parce qu'en fait, c'est quand même, pour assurer ce rythme, il a fallu... Oui, ce qui est arrivé, c'est devenu tellement populaire rapidement, c'est que ça coûtait une fortune de bande passante, c'était de la vidéo. Hein. Quand tu du texte, c'est très léger, hein, quand tu vas sur un site d'information, mais de la vidéo, c'est pas le plus lourd. Aujourd'hui, heureusement, les outils de compression, puis ça nous coûte beaucoup moins cher de bande passante parce qu'on a une meilleure technologie pour compresser les vidéos. Mais à l'époque, c'était monstrueux, là, le truc. Ouais. Alors, tu t'es un petit peu quand même improvisé dans le métier de vidéaste. Tu t'es retrouvé à découvrir et la technique, inventer des outils comme ton serre-tête. Oui, effectivement, c'est que moi, je suis quelqu'un de curieux. C'est sûr, mon métier de publicitaire m'a permis de développer certaines connaissances en montage, éclairage, effets spéciaux, machin. Tu sais, les têtes à claque, c'est extrêmement simple quand même là, au tout départ. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sophistiqué. Mais, c'est ça, je touche à tout. J'aime m'intéresser à plein de trucs, autant que ce soit la création ou le modèle d'affaires de l'entreprise, les régies publicitaires, les bandes passantes, les taux de compression. Je trouvais ça excitant, en fait, tout ce truc-là. Je trouvais ça aussi amusant que faire les clips. Bon, t'es quand même arrivé au bon endroit au bon moment. Il y a le côté affectif, il y a de la très belle réalisation, il y a des bons textes, il y a des bons sketchs. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer sans forcément faire un guide pratique, quels seraient les conseils que tu donnerais justement pour ceux et celles qui ont envie de produire du contenu sur le web? Ben, premièrement, il faut y croire. Deuxièmement aussi, il faut faire quelque chose de simple, de plus coûteux et qui va s'adresser à un public large. Il y a beaucoup de gens qui vont partir des web télé, mais c'est des trucs extrêmement pointus qui vont parler à des ados un peu mais c'était un peu la force des têtes à claque, c'est que c'était extrêmement large, c'était de 7 à 77 ans, c'est sûr, avec un emphase sur des jeunes de 18 à 30 ans, le cœur était là. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir une idée qui va s'adresser à beaucoup de gens. Puis il faut que ça soit simple, il faut que ça soit récurrent. Et puis, il faut être ouvert à la critique constructive, il faut être ouvert à l'idée que les gens ils peuvent influencer tout ça. Ben oui.
puis essayer d'impliquer les gens, écouter son public, voilà. D'accord. Avant-dernière question, tu as de la chance, on est en Suisse, on n'aime pas, on n'ose pas parler d'argent, mais on va quand même aborder le sujet. Est-ce que atterrir en télévision, finir sur des DVD ou travailler avec des sponsors, c'était un passage obligé, ou tu penses qu'avec le recul, t'aurais pu fonctionner autrement par rapport aux revenus? J'aurais pu ne pas aller à la télévision, effectivement. On avait tellement de trafic que j'aurais pu ne pas faire de DVD. Mais j'aurais été complètement stupide de ne pas profiter de ça, finalement. En fait, si la télé voulait acheter les clips qui sont encore sur le site, que tout le monde a vu, ben pourquoi pas? En fait, c'est un autre marché aussi, la télévision. Hein. Puis je pense qu'un marché a poussé l'autre. Tu sais, les DVD aussi, les clips sont tous disponibles sur le web en ce moment. Mais les gens achètent quand même le DVD, ce qui est étrange. Moi, je n'achèterai pas. Moi, j'irai sur Internet, mais que voulez-vous? Alors, si tous les moyens sont bons, si je peux en tirer profit, puis pouvoir engager plus d'artistes, d'animateurs, puis pouvoir amener le projet plus loin, ben, on serait fou de ne pas en profiter. Là. Ouais, c'est clair. Voilà. Dernière question, le futur, les prochaines étapes, ton actualité, c'est pourquoi? Ben, comme j'expliquais, je veux. On va revenir dans un an avec des histoires d'une demi-heure. Chaque mois va être comme thématisé. Au début du mois, on va présenter une grande demi-heure. Puis ensuite, les semaines suivantes, ça va être des petits clips de 2-3 minutes, comme on fait actuellement, mais qui ont rapport à la demi-heure qu'on a vue au début du mois. Okay. Alors, on avait le goût de faire vivre nos personnages dans des histoires plus sophistiquées, plus élaborées. Voilà. Ben, merci beaucoup, puis à bientôt, c'est Pavon, sur tetaclac.tv, c'est ça? Ben oui, voilà. Merci. Merci.